Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Comment vont les enfants voisines? Les enfants vont bien? Oui, ça va. Ça fait longtemps que je ne les vois plus. Hein. Ah bah oui, c'est genre... Oui, ah oui. Les vôtres, ça va? Ouais, elles vont bien, merci. Ah, c'est bien. Bonne journée. Bon, bonne journée à vous. Quand on vous dit bonjour, il faut dire bonjour. On n'a pas dormi ensemble. Hein? C'est pour ça qu'on ne peut pas être rempli de lettres. On va dire qu'on dit bonjour maître, bonjour maîtresse, bonjour la veuve, bonjour Warios. Ça n'est pas comme moi, j'en dis, ça c'est chérie, chérie. Je dis bonjour. Bonjour. Monsieur Lama n'est pas encore arrivé. Il n'est pas encore arrivé à ma. Il arrive. Et Momo n'est pas là. Momo n'est pas là. C'est toi qui es là. Hein? Si je suis là. Bonjour. Oui. Voilà le nouveau patron, celui-là. Quoi? Bonjour. Celui-là. Bonjour, ça va? Ça va et toi? Tu t'appelles comment? Je m'appelle Walid. 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 Et toi? Elisabeth. Okay, enchantée, Elisabeth. Enchantée. C'est ça le patron. C'est bien. Viens. Donne-moi un petit café là. Un café? Oui. Ok. Espresso. Ok. Espresso. C'est Stéphane, bonjour. Bonjour. Voilà, regardez la sueur sur mon visage. La sueur. Aujourd'hui, on va parler. Je vais nommer les noms des hypocrites sur la toile. Je vais nommer les noms des hypocrites sur la toile. Oui, il y a beaucoup d'hypocrites ici là. Et je ne veux pas aller de main forte. Oui, je vais aller de main forte. Oui. Parce que. Bonjour. 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 Bonjour.
Wonderful. Bonjour. Il y a 24 personnes qui me regardent là. Il y a deux personnes qui me disent bonjour, c'est normal. Voilà, comment vous êtes? Bonjour. Bonjour. Je veux dire, même quand tu écoutes moi, ma vidéo, je veux dénoncer les hypocrites de la toile. Parce que, même quand tu, aujourd'hui, tu ne peux pas dénigrer une personne. Je l'ai dit depuis hier, parce que je suis remonté contre ça. Tu ne peux pas dénigrer une personne. Hein, sous peut-être que tu as perdu ton père et ta mère, ou tu as perdu ton oncle, ou tu as perdu ceci, cela. Hein. Ouais! Le téléphone, je t'appelle. Je t'appelle tout à l'heure. Hein? Non, parce que hier, j'ai passé une mauvaise journée hier. Hein? Normalement, hier, je devais venir te voir. Nom de Dieu. J'ai passé une mauvaise journée hier. Tu sais, une fois, j'étais au marché là-bas. J'étais au marché. Je suis parti au marché là. J'avais acheté le tchèp là-bas, le tchèp avec le piment. Donc, comme j'ai laissé ça au frigo, non. Là, je réchauffe, non, et je mets le piment là. Le piment là, chauffé dans mon ventre comme c'était mes intestins allaient être coupés en petits morceaux. Non, j'ai passé une bouteille. Non, comme je n'ai rien mangé, je n'ai pas dévigé la nourriture là-bas. Normalement là, je veux voir tout à l'heure là. Parce que je dois aller voir Yvonne Gomati tout à l'heure aussi. Parce que normalement, oui. Je vais aller la voir. Je vais les sortir, c'est Misunga là. Je vais aller voir ma cause. Ça fait longtemps. Mais oui, non, regarde la distance, non. Non, mais c'est du n'importe quoi. Mais là, maintenant, les gens commencent à faire comme si on aime tout pour ça. Madame, j'ai perdu ma joie de vivre. Non, est-ce qu'elle est là pour vous? Moi, je ne la veux pas. Mais bon, moi, je suis peut-être ce que je veux, moi, madame. Ben oui, mais vous j'ai le droit de rigoler. Et si ce n'est pas un deuil, ce n'est pas un sanatorium, mais si je crie si je veux. Écoutez quoi, vous voulez, qu'est-ce que vous croyez, vous? J'ai, dans vos appartements, vous opprimez les gens, on ne peut pas marcher, on ne peut rien faire. Hein? Ici, là, ça devient la même chose. On n'est pas habitué à avoir des choses. Vous n'êtes pas habitué depuis combien de temps? Quel esclavage ici dans ce pays? Depuis combien de gens qui a tout cela? Vous parlez de quoi? Parce qu'il y a eu des esclavages que vous criez comme ça. Non, avant de tout, tu vas te crier. On ne m'a pas parlé plus. Pourquoi tu es moins fini si mal? C'est qui ça? Ne te retourne plus contre moi. Ne te retourne même pas. Tu finis ici avec toi. C'est qui? Doucement. Eh, à te dire, tais-toi. C'est bien que ça, non? Vous trouvez les gens à parler des choses dont tu viens de parler là. Quitte là-bas, on va boire ton café dehors. Imbécile. Pourquoi? Mais oui, mais parce que elle me prie. Reste tranquille. Mon Dieu. Là, vous... Mon Dieu de quoi? Non. S'il te plaît. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Qu'est-ce qui te dérange? C'est la femme-ci. Ah, qui... Ça va bien. Tu vas bien. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Là. Bonjour, monsieur. Tiens. Tu es en train de boire mon café calmement de me parler. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rigolé. Donc rigoler, ça fait quoi? C'est même si je rigole très fort, ça fait quoi? Ça dérange quoi? Je recommence. Ha 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 ha. Bonjour. Le café à l'extérieur. Bonjour, je voudrais un café. Non, pas un café. Tu consommes ici plus que moi. J'ai compris. Ça n'a rien passé. Ouais. On était où les Warriors? On était que là où quelqu'un me fait du mal. Tu perds quelqu'un, hein, ne compte pas sur moi. On regarde maintenant à distance. Au revoir, merci. Fausse blonde. Je te dois combien? Non, écoute-moi très bien, ne m'a pas jamais comme ça, je te respecte. Hein. Toi et moi, on est ici depuis combien de temps? Tu sais ce qu'elle a fait? Je te connais très bien. Alors, j'ai dit que non, attends, qu'est-ce qu'elle a fait? J'ai ri un peu fort, elle commence à dire, oh, arrêtez-vous.
Je ne sais pas, je ris comme d'habitude. Même dans les cafés maintenant, elle consomme ici combien de fois? Moi, je consomme beaucoup ici. Hein. Donc, je suis, oui, je suis une grande cliente. Elle vient prendre un petit café comme ça pour vous draguer ici, comme vous avez des vieilles femmes blanches là. Vous devez faire des choses ici. Avec moi, ce n'est pas comme ça. Prends ton argent du café. Bon argent. Rembourse-moi. Yo, qu'est-ce qu'on veut? Il fait froid ce matin, hein? Ne me regardez pas. Bon, enfin bref. Oh là là. Oh là 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 là. C'est comme ça qu'on me cherche souvent des problèmes. Hein. C'est comme ça qu'on me cherche des problèmes. Hein? Et souvent, souvent là, elle vient chez les jeunes arabes qui sont dedans là. Hein? Je me cherche des problèmes. Moi, je m'en fous. Tu n'es pas plus rire. Jusqu'à une salle raciste. Et je viens de haut. On ne connaît pas ces gens-là parce que vous... maman, tu as la chance, tu es dans mon immeuble, hein? Parce que toi et moi, on bagarre tous les jours. Bonjour. Bon, bref. On y va. Hein? Hey, bonjour. C'est notre concierge que nous devons passer là. Bon, vu que je passe à la pharmacie aussi. Moi, je dois passer à la pharmacie. Ça veut dire qu'avec moi, on cherche des problèmes dès le matin, hein. On ne doit plus rire à haute voix. Et quand il rit, quand bien tu attends, oh. Elle rit ici dans les cafés. Hein? Quand les femmes rient souvent, hein? Je te dis, on dirait les primates perchés dans un arbre. Tiens. Et les hommes, ho. Tu ne regardes pas ça. Moi, je viens rire, papa. Que j'ai dit trop fort. Hey, nous sommes jeudi. Hey, on va aller faire un tour au marché. Ouais, on va au marché. Maman, la semaine s'est passée vite. Maman, t'as jeudi. Oh. Ouais. Aujourd'hui, il y a du monde. Il y a un peu de monde aujourd'hui. Hein. Bonjour.
Bonjour, bonjour, mettez les cœurs, les cœurs, les cœurs. Et ceux qui m'aiment bien, mettez les étoiles. C'est des cadeaux de la veuve joyeuse. Hein? Ceux qui trouvent que j'ai un mauvais comportement, mettez les têtes de mort et vous partez. Sans état d'âme. Bon. Je vais manger alors qu'aujourd'hui, voilà là mon problème. Je mange quoi aujourd'hui? Ça c'est le bon alors. Ça c'est donc je vais aller à l'intérieur. Bonjour. Bonjour. Où il y a les mangues? Cameroun. Quoi? Cameroun. C'est les mangues du Cameroun? Oui. Donne-moi deux mangues. Quoi? C'est combien? 4,95€ les trois. Trois, les trois? Oui. 4€ combien? 4,95€ les trois. C'est là? Oui. Hein? Tu veux que ça abuse ça? Non. Donne-moi alors trois mangues. Bah ouais, c'est abusé, on retrouve. Hein. C'est bien que les Camerounais vivent aussi. Hein. Puis, mais attends, en plus, ce sont des mangues dures même. Hein? C'est dur, hein? Mais c'est comme ça, ça. Ça se vend dur. Dès que c'est mûr, ça se vend plus. Hein. Ça se vend comme ça. Vert, plus vert possible. Je sais pas, regarde, continue de te lever. Hein. Je veux pas te. C'est tout. Mais il y a beaucoup, non? Non. Ah bon, allez, avance, avance. J'en ai beaucoup. Ah. Ça. Il y a le gombo. Non, mais c'est encore dur. Pas pour l'instant. Hein. Ouais, mais attends, je sais pas. Je n'ai pas la peau dure. Non mais ça m'a fait déjà encore mal. Hein. T'inquiète, je suis encore malade. Hein. Ben oui. C'est ma faute. Hein. On peut travailler les caméras derrière. Thank you.
peux mettre ça dans deux plastiques différents. Hein? Tu peux mettre ça dans deux plastiques différents? Oui, parce que ça va peser. Mais c'est rien, c'est pour que de l'emporter. Hein? Bon, de toute façon, c'est pas dans le sol. Non? Oui, okay, c'est des études deux, il y en a un qui prend l'autre, mais bah c'est non. Toi qui vas l'emporter, là, non, l'autre. Si c'est un sac ou dans le sac, c'est toi. Hein. Bon, ben. Allez, bon courage. Merci. Tu l'as cuisé un peu hein? Non, j'ai arrêté d'accuser pour l'instant. Ça, c'est pour moi, ça. Ah oui, d'accord. J'aime toujours bien manger. Ah, ouais. Ben, plus tard. Pour rien. Hein. Ok. Ciao, ciao. Bon, on va marcher. Mais tu veux que ça me fasse quoi? Tu m'invites, quand toi-même tu viens dire que Oshiga est en clash avec sa clash Karine, qui était sa bande hier, ça me fasse quoi? C'est notre problème là-bas. Est-ce que Oshiga a des amis? Tous les blogueurs là-bas, elles ont d'abord des amis. C'est les trucs de Karine là. Si Oshiga insulte Karine, c'est une bonne chose. Elle, quand ça attaquait à moi, elle disait que quoi? Elle pensait que quoi? Hein? Je vous montre les habits du marché, après on va à la maison, parce que je ne dois pas rester dehors. Je ne dois pas rester dehors longtemps. Il y a même rien ici au marché aujourd'hui. Oshiga cherche son argent. Oshiga, elle a compris que la maison ne peut pas lui faire gagner de l'argent. Que c'est le c'est les trucs des réseaux sociaux qui vont lui faire gagner l'argent. Donc vous la voyez se comporter ainsi. Hmm? C'est tout, il y a quoi? C'est une belle veste, hein, regardez. Celle-ci. La noire. En plus, c'est du vrai cuir ou pas? Non, ça c'est pas du vrai cuir, mais c'est joli quand même. Hein. C'est bien fait. On va chez les assos. Asso. Vous avez vu non? Ah, c'est très joli ça. Ouais. J'ai ça, maman, j'avais payé. Quand je passe le prix que j'avais payé ça, je vais l'agresser la finale là-bas, elle va rembourser mon argent. Asso! Ça va? Ça va? Ça va. Oui, c'est... Ah, oh, ça c'est joli, hein, Asso. C'est nouveau, hein? Ah, c'est nouveau là. Qui? La nouveauté de ça. C'est une robe? Hein? C'est une robe? Ça c'est 25. J'ai demandé que c'est une robe. Tu me dis que oui. Non, ça c'est pas... la gilet. Sont moches. C'est? Ça c'est gilet. Du quoi? Ça c'est gilet. Comme celui-là. Ça c'est pas robe là. Ce n'est pas la robe, hein? Non, c'est pas robe celui-là. Oh, mais c'est très joli, hein? Nous avons nos machines. Ça c'est joli ça aussi, hein? Nos anciens robes, ça ne finit jamais. Hein? Vous mettez les cannes, je vous amène au marché. Ici nous sommes au marché de Suresnes. Mmh. J'ai la robe, c'est très joli. C'est bien porté. Hein. C'est bien porté quand vous enlevez la ceinture. Ngosa, tu me vois au marché. Ngosa, tu avais dit que quoi? Quand je m'habille au marché, non? Je suis étonné quand tout le monde s'habille, mais non au marché. Hein. Ça, c'est très joli aussi. Les manteaux comme ça pour les gens qui sont grands de taille. Mmh. Les petites robes sexy. Je vais acheter la robe, c'est à Diana Boulet. Diana Boulet mérite cette robe, n'est-ce pas? Comme elle a des seins comme Diana Boulet là. Diana Boulet. Voilà, c'est une belle robe. Donc voilà. Hein. Voilà. Moi j'aime la combinaison aussi. J'aime, oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est combien ici? Je veux prendre ça. Yeah yeah. La robe de combinaison aussi. Je m'en fous même sur mon ventre, ça, ce n'est pas grave. Maman, je vais négocier ça combien là-bas. Asso, viens. Asso. Ah. Maman, quand elle va taper ça là-bas à la maison, c'est combien ça? Ça, c'est 25. Eh, Asso, fais un petit prix, non? Fais-moi un prix, non, Asso? Oui. Fais-moi un petit prix. 23. Bon. Oui. Parce que c'est moi, non? J'ai trouvé ça ici moi-même. Est-ce que j'ai trouvé ça là-bas? Oui. Fais-moi un bon petit prix, Asso. 22. Non, 20. Allez, c'est pas grave. Ok, je t'apprends d'abord, dis euro, hein. Je vais chercher l'argent à la banque. D'accord. Attends, j'arrive. Prie-moi ça, j'arrive. Non,
J'étais parti, j'ai pris mon porte-monnaie avec l'argent. Ah, laisse-nous les choses là, dis donc. Pourquoi tu veux que tu dis que c'était... Tu veux que je parle de pourquoi? Oshiga, pourquoi tu veux que je parle d'Oshiga ici? Hein? La fille des mots, je vous te pose une question. Pourquoi tu veux absolument que je parle d'Oshiga? Je te pose une question. J'ai besoin de savoir parce que je ne vous comprends plus. Hein? Si Oshiga a eu le problème avec Karine, quelle règle c'est là-bas? Ça ne m'intéresse pas. Tu veux quoi? Hein? Pourquoi tu insistes de parler de son nom ici? Ne parle plus de son nom, pardon. Ça ne me regarde pas. Est-ce que c'est les copines hier? Oshiga n'a pas la tête. Chacun finit son banga, ça devient comme ça. Donc laisse comme ça. Oui. Est-ce que c'est les copines hier? Oh, je jette ce clash. Facebook, c'est comme ça. Hein? Ah, c'est quoi? Donc, vous avez besoin qu'on parle des gens et puis ça va vous faire quoi? Quand demain va encore venir fermer mon compte, c'est parce que j'ai insulté Karine, j'ai insulté Oshiga, j'ai insulté qui? Hein? Tu seras là? Voilà mon compte, la personne, je prie le papa de matin, personne ne met les étoiles. Personne ne met plus rien. Tout ça, ça me fait plaisir. Non, ça ne fait pas plaisir. Tu viens, oh, oh, Karine, parce que ça m'a. Je ne suis pas de la basse classe, de la basse cour. Tu m'as rien vu avec eux. Hein? Mais Karine est facile. Karine passe son temps à insulter les réseaux sociaux. À s'indigner. Quand vous dites qu'il faut respecter les murs des gens, il faut respecter. Hein? Donc arrête. Hein? Il n'y a pas. Hein? Je n'ai pas vu. Je vais aller à l'intérieur. À l'intérieur. Tu as fait? Tu n'as pas besoin de rester. Non, pas l'argent. Bah, ça, c'est le dépôt seulement. Bon. Bonjour. Bonjour, ça va? Il n'y a pas, on ne peut pas retirer l'argent. Non, là. Il faut aller au Crédit Mutuel pour l'instant. Il faut aller au Crédit Mutuel, c'est où? C'est juste là, sur la droite, il faut remonter la rue. Ils ne vont pas me prendre les ajouts. Non. D'accord, merci. Crédit Mutuel. Merci, au revoir. Mm-hmm. Mm-hmm. Crédit Mutuel, c'est encore aussi. Parce que moi, j'aime prendre l'argent dans mon compte. Là où j'ai fait mon compte. Parce que j'avais appris qu'on a dit que quoi, que c'est une qui n'a pas de compte. Qu'est-ce qu'il y a, c'est pas une carte de retrait. Vous êtes joyeuse. Si vous avez des cartes de retrait, c'est votre problème. Hein? Je ne suis pas là. J'ai deux comptes, trois comptes. Crédit Populaire, CIC et La Poste. Elle a dit que Crédit Mutuel, c'est encore où ici là. Parce que moi je ne veux pas aller chercher l'argent là où. Hein? Là où je veux marcher, il fait froid dehors. Hein? Mais c'est où ça? Coucou! Ça va? Quoi? Bonne année! Bonne année avec du retard! Bah oui! Avec du retard! Bah ouais! Bah, dis-moi là-bas que Crédit Mutuel c'est où ici? Hein? Crédit Mutuel c'est où? Crédit Mutuel, il est là avant le marchand de vélo. Juste là? Ah. Où il y a le salon de beauté, il est juste après. D'accord, j'avais pas fait. Bon. Et alors, tu deviens quoi toi? Oh bah. Moi il y a tout que tu as rajeuni, hein. Encore? Bah oui. Faut arrêter, hein. Bah allez. Je te charrie un peu, oh. Ouais. Bon ben, bonne journée, hein. Bon, ça y est, je vais te dire, monsieur, là-bas. Ok, là, monsieur, d'accord, merci. Tu es en train de dénigrer. Oh, moi, je suis la CIC, Banque Populaire.
et à la poste. Je ne suis pas comme vous, mais j'ai utilisé beaucoup la carte de CIC parce que ça a coûté. Ici, la poste est loin, tous les banques sont loin de moi. Ah, ici. Ah ouais, c'est la même chose. Ouais, c'est bon. Bon, faut marcher. On va prendre notre truc là, on va directement à la maison. Parce que mes mains commencent déjà à être gelées, tu sais, dehors. Arrêtons un peu. Arrêtons de massacrer comme ça, hein. Hein? Tu es en train d'amener le nom des gens, vous avez vos... Vous avez créé le compte. Vous n'arrivez pas à venir parler dans vos comptes. Vous voulez qu'on parle de vous. Je suis là, c'est que... Karine a fait... Je fous que je suis là pour faire la publicité. Hein? On est là pour dénoncer. Pas que je dénonce, mais je dis qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans les réseaux sociaux. Les Camerounais sont trop hypocrites. Hey! Quand les gens veulent déjà les vues, ça devient compatissant. Comme quoi, celle-là a perdu son petit frère, son neveu hier. Je vois les gens d'en face. Je vois la Russie. La Russie. Je vois les membres de la Russie commencer à dire toutes bonne, toutes mes condoléances. C'est du n'importe quoi. Hein? Vous pensez que toi, rêve bien, je parle de toi, rêve bien. Toi, Réven Biaï, tu crois que le jour que tu peux faire, que tu vas comme Gossa. Gossa va dire que, en dépit de nos divergences dans les réseaux sociaux, je te souhaite toutes mes condoléances. Jamais. Il faut regarder le visage des gens. Hein. Tu as remarqué que toi, Réven Biaï, tu es toujours comme ça. Quand Oshiga est insulté ta soeur ici, tu as même répondu au Oshiga. On se demande avec ta soeur, qu'est-ce que se passe avec ta soeur. On se demande qu'est-ce que se passe avec ta soeur. Je ne comprends pas. Hein? Toi que hier vous insultez les Guilain Chapuis avec les Ngospit. Aujourd'hui, comment elle a perdu son neveu hier, tu prends son truc, tu prends la photo de Ngossa. Tu penses à quoi, tu mets sur ton mur. Ça est vraiment l'hypocrisie. Arrêtez ça. Hein. Faut arrêter. Hein. Vous avez une façon de faire là, j'ai appris comme ça, à dire que c'est comment. Mais toutes les condoléances. De quoi? Une personne que hier vous dénigrez, vous avez vos familles. Hein? Tu as oublié que même moi, tout le monde est. Attends, montre-moi encore bien la robe là. Là c'est quelle taille? Ça, c'est taille 40. 40? Oui. Oui. Voilà, ça va bien m'aller. En tout. Je suis pas en tout que je veux manger. Je veux manger quoi? Merci. Hein. Merci. Bonne okay. Bon, je vais merci. Dès que je vais serrer ça sur moi ces jours-ci.
Je vais mettre la ceinture de ça. Vous allez me voir. Quand je viens sur vos marchés comme ça, j'achète mes petites choses. Hein. J'achète comme ça, je lance quelque part, je garde ça au frais. Je suis comme un méditer, hein. Vous, j'ai pas de temps. Je passe seulement couillant, je porte ma part. Même sur vos marchés, je vais te dire que. Lève bien, dis donc, arrête ça, dis donc. Qui? Maman. Et les gens viennent. Mais il y a un problème à Facebook quand même. Excuse-moi si je parle un peu comme ça parce que c'est le foie. C'est vrai que quand il y a le foie, ma bouche commence à se contracter. Je n'arrive pas bien à sortir les mots. Ouais. Donc, bon, je passe directement par là. Il est beau. Bon, passe par là. Je dis seulement que voilà, ne soyez pas dupes ici à Facebook. Il y a certains gens qui, quand ils voient que leur audience commence déjà à baisser, qu'ils n'ont pas, d'abord qu'ils n'ont même pas assez de vues, comme moi d'ailleurs, et moi je m'en fous. Moi quand il y a 4000 vues, c'est à beaucoup maintenant, donc c'est à beaucoup pour moi. Peut-être que c'est qu'il y a des gens que quand ils pensent qu'ils n'ont plus assez de vues, bim, on va chercher. Hein? On va chercher maintenant à faire comme maman, parce que comment toi, Rémi, tu peux oser souhaiter toutes les condoléances à celle-là? Tu penses que c'est là qu'on va vous aimer? Les gens qui insultent ta mère, qui insultent ta soeur matin, midi et soir, hein, je te pose la question. Tu vas souhaiter toutes mes condoléances par rapport à quoi, Rémi? Il faut arrêter ça, hein? Il faut voir Rémi bio. Hein? Vous avez votre patron là-bas qui a perdu sa mère. Hein? Je n'entends pas trop parler de ça, hein? Mais comme c'est un gosse, hein? En dépit, moi-même, je sais ce que j'ai vécu. Tu penses quoi? Moi, je n'ai pas perdu mes deux pères. Je n'ai pas perdu ma tante, mon oncle, mes frères et soeurs. Qu'est-ce que tu crois, toi? Donc, c'est pour ça, parce que j'ai perdu quelqu'un comme un gosse. Un gosse qui déchire ta soeur chaque temps ici à Facebook. Que c'est pour ça que tu as dû souhaiter toutes mes condoléances par rapport à quoi? Vous allez m'bap, dis donc. Les m'bap. Moi, la guerre, comme la guerre, je suis une femme qui est très tolérante. Je tolère certaines choses. Et quand je vois sur la toile ce qui se passe, je dois me prononcer. Tu n'avais pas le droit de souhaiter toutes mes condoléances à Angosa. Elle ne mérite pas les condoléances là, elle ne mérite pas. Oui. Elle ne les mérite pas. Vous êtes comme ça, vous commencez à danser de merengue à Facebook. On ne sait même pas dans quel côté vous êtes. Heureusement que je suis même pas avec vous. Moi, j'ai compris que mieux être seul. Donc, on ne va pas vous suivre. Hein? Après, quand ça va sortir encore sur ta soeur, tu vas faire comment? Tu vas maintenant faire comment? Tu vas parler encore? Tu vas encore insulter? Mais attends, tu penses que Ngosa avait le cœur? Ngosa a le cœur comme une pierre. Hein? Lève-moi bien, tu vas aussi. Si c'est toi. Hein? Tu penses que c'est toi qui avais perdu peut-être ton neveu? Ngosa allait parler de toi. Et je dis la vérité, elle allait parler de toi. Hein? Elle me dit que mes condoléances, non. Parce que vous voulez la compatir. Elle a la compatir les gens. Oui. Quand vous aimez que les gens viennent, elle dit, moi j'aime Rêve Mbiaï. Oui. Moi j'aime Rêve Mbiaï. Parce que Rêve Mbiaï est une personne qui est neutre dans tout ça. C'est du pipo. Allez, moi, la guette, dis donc. Arrêtons ça. Yeah. On déchire ta sœur ici avec les cordes ici. Ngosa déchirait ta sœur avec les cordes ici, ce n'est pas suffisant. Hein? Elle perd son neveu. Tu prends carrément la vidéo, tu mets dans ta page. Et en dépit des machins qui a fait ceci, des machins ici, toutes mes condoléances. Mbap! Mbap! Je te dis que Mbap! C'est du n'importe quoi. Moi, la guerre, comment la guerre, pardon? Je sens ça. Hein? Ça sert à quoi de faire la guerre? Ça sert à quoi vous te gagnez les réseaux sociaux s'il faut être compatissant. Quand quelqu'un perd quelqu'un, vous venez faire du n'importe quoi, dis donc. Hein? C'est du n'importe quoi, bon, je n'oublie pas. Hein? Je ne pardonne même pas, je ne pardonne rien. Il n'y a rien à pardonner là. Et je n'oublie rien du tout à Facebook. Et les gens comme ça, que. Je veux que vous voyez le champagne que vous voyez. Moi, je le dis. Arrêtez un peu. Les gens qui ont déchiré ta sœur ici, avec les cordes. Tu étais où? Ici. Tu étais où? Tu sors avec ta. Tu sors pour écrire le gros français. Tu n'as pas honte? Dis donc.
C'est même vous qui avez fait, c'est même le lot comme ça. C'est même vous. L'un des bureaux là-bas, elle sort aussi. Vous dites, mais Cordelia, ça, par rapport à quoi? Hein? Par rapport à quoi? Elle mérite ça. Gossa gagne l'argent par moi. Elle gagne les sous. Hein? Elle prend les sous. Elle passe l'argent. Elle gagne plus le système. Il y a des gens qui lui donnent les étoiles. Elle gagne l'argent. Hein? Hein? Je suis venu comme ça à Facebook. Vous savez le nombre de neveux. Grand-père, les neveux, les tantes, les oncles, les cousins, tout ce monde-là, les nièces. C'est que si tout le monde dit, on s'assoit à Facebook pour faire comme elle y est là. Les jeux avaient gonflé. Uniquement pourquoi? Parce que il faut que les gens soient compatissants pour envoyer les 4 PCS. Pour lui envoyer un peu d'argent. Et c'est malheureux que son neveu soit mort. Oui. C'est toujours douloureux, mais il faut regarder les choses en face. Même dans nos tontines ici à Paris et tout ça. Et que même dans nos tontines ici, hein, c'est le père et la mère, à défaut, l'oncle ou la tante. Ou peut-être quelqu'un que tu vas prendre dans ta famille. Quelqu'un, si quelque chose t'arrive, on peut. Que tu, si toi, tu n'as plus de parents, c'est, tu mets ton oncle ou bien ton grand frère, ça dépend. Maintenant, plage déjà tout à Facebook. Les nièces, les arrières, grand-père, tout le monde entre dans Facebook pour pleurer pour. Qui a? Je ne suis pas dedans, moi je suis zéro père. Oui. C'est du n'importe quoi. Hein? Même pas deux jours, tu as déclenché là. Maman, c'est moi. Hein? Ah, moi je suis la gare. Moi je suis pas dans mon frigo, la tête sur le Facebook là. Hein? Regarde bien ton frigo là que tu as mis les caméras dedans là. Hmm? On t'a insulté ici jusqu'à. Insulté. Tout le monde a changé sur ton frigo. Aujourd'hui, Ngossa, dès que tu viens carrément, dis que mais toutes mes condoléances par rapport à quoi? Vous jouez ma quoi à Facebook? On te demande, hein? Même ma pépé de mes fesses, oui. Pardon, je vais à la maison, j'ai froid. J'ai froid. Aïe. Ça fait il y a une heure que je suis là. Ma zéro paix. Mais c'est quand même révoltant. Hein? Vous savez, c'est révoltant qu'on voit dans les réseaux sociaux. Hein? Moi, la guerre comme la guerre. Vous, tous les gens là. Je suis au troisième étage. Je descends l'escalier 3 fois par jour. Vous voyez, je descends les escaliers. Et... Je vais faire les fesses comme les bouts de couscous, les fesses plates. Les bouts de couscous, fallait voir les 5 fesses de Moussa. Les boules. Elle dit qu'elle est belle. Elles sont bonnes d'entier. Moi, je la déteste. Hein. Qu'est-ce que c'est ça? Moi, je ne veux pas dire. Dans la télévision. Quand ta part va arriver, dis maman, si ma part arrive, c'est moi-même que ce sont mes enfants. Il y a des gens qui vont conduire. Mais pas vous.
Mais c'est pour les poulets. Et c'est ça. C'est bien l'hypocrisie de Facebook là. T'as mis dedans. On va commencer à quoi? Bon, est-ce que quelqu'un peut me dire? Je vous demande d'abord quoi? Est-ce que vous là? On me pose des questions souvent. On me pose des questions à. Je partage. Ça va. J'ai un seul partage. Ça fait seulement un seul partage. C'est pas grave. C'est déjà beaucoup merci pour la personne qui a partagé. C'est comme ça que vous êtes. Vous partagez mes choses, vous ne pouvez pas partager. Soyez vous-même, Oli Walus. Attendez, non. Bon. Il y a que ma couille à 100 millions. Je vais vous montrer l'astuce quand on prépare le poulet. Si vous voulez que votre poulet, le poulet cuit vite, il faut le préparer congelé. Ça va cuire vite. Congelé. Et à quoi? Quand on prépare. Quand le poulet est comme ça. Moi je mets du conseil toi comme ça. J'ajoute de l'eau.
Ayoub, Ayoub. Qu'est-ce qui se passe encore ici? Quoi? Pas de piment? Pourquoi je n'ai plus de piment chez moi là? Bon. Moi, je trouve que les gens, vous êtes trop lâche ici à Facebook. Vous n'arrivez pas à vous exprimer, vous aimez ce mal avec le Congo ça. Hein? Pour moi, c'est la loi du talon, œil pour œil, dent pour dent. Hein? Arrêtez d'être hypocrite. Vous êtes des hypocrites à Facebook. Oui. Vous aimez la loi des phénomènes de masse. C'est-à-dire quand quelqu'un parle, là où tout le monde est d'accord avec une personne, là, alors vous partez. Je vois les commentaires ici. Quand je m'avais là où on insulte, peut-être, enfin, là où il y a certains conduits qui sont un peu tranchants là. Ouh! Tu vas voir comment les gens parlent. Hein? Ces femmes-là sont les réseaux sociaux aussi. Il faut se démarrer. Il faut se désabonner d'avant. Vous pensez que vous êtes qui? Désabonnez-vous, dis donc. Les Chinois vont nous regarder. Hein? Faut aller voir les cinq pétasses qui parlent là-bas chez Nganou. Chez Nganou, les vieilles femmes de Nganou là-bas. Hein? La seule chose, c'est qu'il faut que les gens se désabonnent. Vous êtes qui? Désabonnez-vous, dis donc. Après la fin matinée aussi, il y aura encore quoi? Rien. Vous avez fait monter la solidarité. Solidarité de manière dans les réseaux sociaux. Désabonnez-vous. On va le voir appeler avant. Oh, moi, je ne regarde même pas ces femmes-là. Et moi, je ne regarde même pas. Vous nous regardez pour vous désabonner. Bon, on sait qui nous regarde dans le noir là-bas. On ne sait pas qui nous regarde. Hein? Vous êtes les premiers à les commenter. Oh, on ne regarde plus les toiles qui viennent. On ne regarde plus telle personne. C'est votre faute, on s'en fout. On a dit qu'il n'y a que vous sur la Facebook. Hmm? Donc, on a fait des abonnés pour regarder les pages de qui? Des indignés? Vous êtes des indignés dans les réseaux sociaux? Hein? Non, c'est vos pages qu'on doit regarder. Là, vous parlez du Cameroun, là, vous parlez de ce Paul Biya. C'est là qu'on doit regarder. Vous mentez. Une comme moi, hein? Vous pouvez désabonner, vous, je m'en fous. Hein? C'est vrai quoi? C'est comme ça, ta dictature Facebook. Ah! Parce que, hein, tous ces gens-là doivent parler. Je ne parle pas, je ne dis rien, je m'en fous. Ça. Allez vous indigner. Un problème qui a commencé que wow, la mort, ça devient déjà que. On va... Maman, désabonnez-vous de ma page. Hein. Vous, je vous cherche d'abord. Hein. C'est vous qui êtes malheureux. Hein? Hein? Vous êtes les malheureux des réseaux sociaux. Hein? Passez votre temps à payer dans les murs des gens. Hein? Vous passez votre temps et vos vies à appeler. Quelqu'un anime sa caméra pour les gens qui ont la chance d'avoir les caméras. Elles sont là. Hein? Attends, il faut les voir là-bas chez Roberto. Roberto, attends, hein? Écoute-moi. Hein? Tiens, vous n'avez pas honte les vieilles femmes qui peuvent appeler chez Roberto là. Ouh, il faut les voir là-bas chez Roberto. Les hommes appellent, les femmes appellent, surtout les femmes. On les bat. Moi, je propose que les gens des réseaux sociaux se désabonnent de leur page. C'est votre problème. Hein? C'est votre problème. Donc maintenant, vous allez maintenant, nous sommes indignés. Hein? Vous êtes obligés déjà à parler de l'affaire de Martin Zoro. C'est votre problème. Les écrans sont leur problème. Si les écrans tuent les écrans, ça vous regarde où? C'est quelqu'un de puissant parmi lequel qu'on a tué. Le Rwanda sur vous, hein. Eh, vraiment, les gens, c'est. Laissez les écrans faire leurs choses entre eux. Ni les bassins, ni les quoi, vous n'avez pas le droit de parler de ça. C'est moi qui vous dis. Laissez. Maintenant, vous allez là, vous avez déjà les abonnés. Hein? Yeah, Jean-Louis me s'arrêtait à Mourbelina comme par hasard. Il a changé de bouche. Tout ça pour le désordre de Facebook. Vous aussi, hein? Nous, on vous regarde. Non, moi, je parle parce que j'ai envie de parler. C'est tout. Moi, je ne crois pas. Il y a une heure de la charge. J'arrête mon tir et je recommence au début. Il faut les voir.
Hein? Et à quoi? Hein? Il faut les... Vraiment, vous allez rigoler ici à Facebook. Hein? Hein? Ces femmes-là se prennent pour qui? Il faut... Moi, je les regarde même pas. Oui, il y a eu mon homme. Oui. Mais c'est ce qu'au Cameroun, le Cameroun, c'est un pays qu'on tue les gens chaque jour. Il y a des gens qui disparaissent là-bas. Vous êtes au courant de ça, mais vous ne parlez pas. Comme vous voulez le chaos, c'est tout. Oui. Vous allez parler aujourd'hui, demain, ça va faire quoi? Ça va changer quoi? On va arrêter qui? C'est Mba. Votre distraction là du Cameroun, on connaît déjà. Hein? Elles sont là, les vieilles mamans là. Elles appellent là-bas chez Roberto. On gagne chaque jour. Hein? Hé, hey, Roberto, écoute-moi. Roberto, prends-moi. Oh! Même, ouvrez vos caméras. Parlez. Hein? Ouvrez vos caméras. Parlez, non. Vous êtes incapable de faire quoi que ce soit dans vos murs. Vous partez vous asseoir avec vos gros fesses dans les murs des gens. Vous bavardez dans les murs des gens, dans les réseaux sociaux. Oh, Roberto, gagne. Prends-moi, Roberto. Ouais. N'est-ce pas, j'ai que tu me prends. Il faut les voir comment est-ce que vous suppliez d'appeler chez quelqu'un qui vous manque de respect. Il faut voir comment elle supplie là-bas pour appeler, pour qu'on entende leur voix à Mondo Vision. Moi, il y a une saleté qui vient de là. Moi, je propose que, hein, on se désabonne dans les pages de tous ces blogueurs-là qui ne servent à rien. C'est obligé. C'est obligé de parler. Tu parles, tu as des problèmes. Tu ne parles pas, tu as des problèmes. Mieux vaut ne pas parler. Ça, c'est le piment. Non, on prépare tout une fois. Bon. Il a mis le poulet au feu. Je fais le nettoyage à sec. Bonjour, bonjour, bonjour. Oui, c'est la vous joyeuse ce matin. On va parler de tout. On fait un peu de revenu de la presse. On appelle ça comment? De Facebook. Si ça fait déjà une heure de temps, vous me dites, je coupe le direct et je recommence le direct. C'est comme ça. Mais je suis là pour travailler à Meta. Je suis là pour travailler à Meta. Ah, 58, merci beaucoup. Bon, je remercie tous les gens qui ont participé à cette merveilleuse vidéo. Je vous aime bien, je vous embrasse. Et voilà. Donc, moi, je suis aujourd'hui à la cuisine. Aujourd'hui, on va faire. Je ne sais pas ce que j'ai mangé, mais je pense qu'on va faire. Je vais peut-être faire. Que normalement, je suis parti pour le combo. Mais. Il y a 2 minutes, non. Après, je coupe, je veux relancer. Ah, je suis là pour travailler à Meta, non. Peut-être que quelqu'un peut avoir pitié de me donner des étoiles, même 10 étoiles, non. Donc, on me donne souvent 10 étoiles, là. Mais oui, je suis pour travailler. J'attends mes publicités. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Donc, je remercie tous les gens qui ont participé à cette merveilleuse vidéo. On va voir comment j'ai assuré parce que c'est arrivé. Donc, je vous embrasse, connectez-vous dans. Bon, tu arrives à la fin, mais bon, c'est pas grave, tu peux revoir la vidéo. Donc, je vous embrasse. Donnez-moi 5 minutes. Et puis, à tout à l'heure. Merci beaucoup. Je dis, que. Est-ce que j'aime encore les publicités là? Parce que moi, les étoiles sont à partir depuis à 8 pour quand. Donc, il faut quand même que je me rassure. Il faut quand même qu'il y ait encore des publicités. Je dois me rassurer que j'aime les publicités. Merci Dadis. Connectez-vous dans 5 minutes. Hein. Je vais charger mon téléphone. Mais comme j'ai les mêmes comptes dans 2 téléphones différents, je vais allumer. Merci. C'est comme moi, je vois que la pluie dans mes trucs. Voilà. Le sel de guérir là. C'est très bon. Hein. Quand vous utilisez le sel-ci, ne mettez plus tout le cube magique dedans. Hein. Donc quand vous utilisez ce cube, le sel de guérir, c'est déjà bien. Hein. Comme le gros sel de Guérande,
ne mettez plus trop de cube magie dans le tube. Vous pouvez mettre peut-être un demi cube magie. Comprenez, non? Parce que c'est déjà bien assaisonné. Moi, souvent, quand j'ai utilisé ça, ça a un très bon goût. Bon, merci beaucoup, hein. Je vais très bien. Je reviens dans 5 minutes, hein. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Merci pour les gens qui ont participé, qui ont commenté, pour les cœurs, pour les likes, pour les une personne qui a partagé, ou plusieurs, j'en sais rien. Donc, je vous remercie beaucoup. Continuez à partager mes vidéos et continuez à entrer dans la conversation quand ça vous va. Oui. Il faut aussi parler parce qu'il y a des choses qui ne sont pas normales dans Facebook. Je ne vois pas comment aujourd'hui tu m'insultes, tu es quelqu'un qui insulte ma soeur. On dénigre ma soeur et moi aujourd'hui, la personne a dit, moi je viens dire à la personne là que mes condoléances. Pourquoi? Pourquoi? Hein? Tout ça pour faire quoi? La sympathisant? Vous voulez que les gens soient sympathiques avec vous? Moi je suis là, moi je, comme vous avez la gueule, là, j'ai la gueule. Hein? Vous allez tous tomber. Hein? Regardez-les. Regardez ce qu'on appelle Rêve Ndiaye. Tu parles de ce terme mes condoléances à vous, ça par rapport à quoi? C'est ce qu'on appelle Rêve Ndiaye. Vous, c'est franchement, les papes de la toile. Bon, je vous laisse. Mais oui, mais, à tout à l'heure, je reviens sur ça. Tout à l'heure, je vais vous mettre. Si je coupe le direct.